C'est inacceptable. L'image de notre pays à l'international est fortement dégradée. J'ai énormément de collègues internationaux qui m'ont envoyé des messages de soutien. Il faut aussi prendre conscience que l'image de la France a été abîmée partout, sur l'ensemble de la planète. Et je trouve ça vraiment déplorable. Et puis, j'entends tout le week-end, j'ai fait beaucoup de terrain. Et la réaction des gens, qui bien sûr est choquée, qui condamne ces violences, ces casses volontaires, ces risques pris par la population et les atteintes aux élus, à leur santé, à leur sécurité, on condamne volontairement tout cela.